Merci Madame la Présidente. La Méditerranée est notre berceau, celui de civilisations qui, de la Grèce à, à l'Andalus, ont fait de nous ce que nous sommes. Mais depuis des années, la Méditerranée est devenue le tombeau de milliers de migrants qui y ont perdu la vie. Ces migrants, ce ne sont pas des statistiques, ce sont des êtres humains, des hommes, des femmes, des enfants dont le souffle a été éteint par une vague plus haute que les autres, une embarcation qui se retourne, la soif, l'épuisement. Depuis des années, le Maroc coopère étroitement avec l'Union européenne pour lutter contre les trafics d'êtres humains. Le royaume chérifien est devenu un peu moins un pays de départ ou de transit des migrants et beaucoup plus un pays de destination. Ces défis sont les nôtres. Les enfants qui ont traversé la frontière vers Ceuta doivent être rendus à leurs familles. Je salue l'annonce du roi du Maroc en faveur du retour des mineurs non accompagnés. J'appelle l'Espagne et le Maroc à surmonter leurs différends et à reprendre rapidement un dialogue apaisé. Ne faisons jamais des migrants les otages de nos désaccords politiques et, lorsqu'ils sont mineurs, n'oublions jamais l'intérêt supérieur des enfants qu'ils sont encore.